que j'appelle le dos, il faut que je l'appelle. Oui, allô, Edo. Direct, il faut m'appeler dans 30 minutes. Ce que je vais te dire là, c'est important, hein. Live, j'entends parler avec les gens. Je dis ce que je vais te dire là, c'est important. Tu m'as dit que tu savais masser, non? Ministre, je connais mon travail. Quand Chris va revenir à Abidjan, le tel voit, il m'a appelé. Voilà! Mais est-ce que tu as eu le temps de parler avec lui? J'ai parlé avec la soeur de Chris Brown. Tcha! Maintenant, j'ai parlé avec lui. Il dit qu'il veut te parler parce que le massage que tu avais fait la dernière fois, là, il a trop aimé ça. Non, je vais te le passer. Et puis, si tu te rappelles de Rick Ross qui t'a donné une bouteille de. Voilà! Lui aussi, il dit vraiment c'est un fan. Il veut te parler aussi. Sans oublier que Nicki Minaj dit elle aime tes fesses. Donc, il veut te parler maintenant. Faut faire une vidéo rapidement. Tu vas parler avec lui. Je vais te le passer. C'est Baby Fortune 500 Mindset. On my daughter? Stop talking about my daughter, bro. Attention, and I can't be with that. I put in real work. Faut leur répondre maintenant, Edo. Hi. Oh, quoi? Mais nouveau fan, là, mais vous dites quoi, mais? Comment ça, ils disent quoi? Tu n'as pas dit que tu as parlé avec la soeur de Chris Brown, c'est pas en anglais? Quand tu es parti dans un concert d'Eric Ross, là, c'est pas en anglais, il chantait? Hein? Tu parles toujours de Nicki Minaj, mais Beyoncé, là, c'est pas en anglais, elle parle? Comment ça que tu sais pas ce qu'ils disent? Pardon, je lui ai dit que j'ai ma grande soeur. Il faut dire quand même quelque chose en anglais. Là, ils vont partir. Un peu gnogna. Hey. Ça va, bon, au revoir. Bye bye.